Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous recevoir encore dans vos salons. Merci de nous suivre. Vous êtes bien sûr Ivoir TV Musique, l'émission Fafa avec Ramzy, le dinguerie que je suis. On vous a dit le dinguerie, ça ne rentre pas dans vos oreilles. Le dinguerie. Voilà. J'ai mon téléphone là dans ma main. Parce que, comme je vous le disais, vous ne savez pas de qui il s'agit. Mais maintenant, vous allez découvrir. C'est un monsieur, c'est un monument, c'est un grand homme du showbiz en Côte d'Ivoire. Du showbiz africain, du côté de la diaspora, du côté de la France, de l'Allemagne, tout ce que vous voulez comme pays européen. Voilà, j'ai tellement de questions pour lui, pour ne pas oublier, j'ai mis ça dans mon téléphone. Parce que si c'est une feuille, ça peut disparaître. Donc j'ai mis les questions dans le téléphone. Parce que je suis prêt pour lui. Parce qu'on a entendu trop de choses. Donc ce monsieur a accepté, il a aménagé son temps, il a géré son programme pour nous recevoir. On est avec ce monsieur qu'on appelle Eric Saki. Eric Saki... Un monsieur dont on parle, on parle beaucoup, on dit beaucoup de bien de lui. Voilà, moi, ses amis qui le connaissent m'ont dit non, que c'est les jaloux qui parlent mal de lui. Bon, on va voir si c'est la vérité. Monsieur Saki, oui. Voilà ma main. Respect. C'est comment? Ok, là. Abidjan, c'est bon, ça va? Bien. Super, super. Alors, merci de, voilà, d'avoir aménagé ton temps pour recevoir l'équipe de Fafa ainsi que l'animateur. Moi, c'est Ramzy, le dairé. Voilà. Tu comprends bien ce que c'est? Oh, si. Zo. Alors, tu es arrivé à Abidjan. Comment est-ce que tu as l'atmosphère? Comment est-ce que tu as ressenti l'atmosphère au niveau d'Abidjan? Je sais que tu viens souvent, mais ça peut faire un moment que tu n'es pas venu. Oh, ouais. Donc, comment est-ce que tu ressens le moment ici? Oui, mais l'atmosphère est bonne. Elle est bonne, tout le monde. Et je vois que tout le monde a bonne santé. Et puis bon, ben, c'est mon pays, je suis content d'être là. Une très bonne chaleur d'ailleurs. Ouais, ça c'est vrai. Voilà, donc vraiment je vous remercie aussi parce que c'est pas évident d'accepter de nous recevoir aussi. Donc nous sommes là. Super. Alors je profite maintenant de la caméra pour encore souhaiter mes condoléances les plus sincères, nos plus plates condoléances à la famille de Desi Champion, voilà, un grand artiste que nous avons perdu, que nous avons enterré il n'y a pas longtemps. Et nos pensées vont à l'endroit de sa femme, de ses enfants, de ses frères et soeurs, de ses parents. Soyez forts et sachez que c'est la vie. Et Desi Champion, là où il est content parce qu'il sait que nous lui avons donné beaucoup d'amour. Alors, Eric Saki m'est venu spécialement pour les funérailles de Desi Champion. Voilà, et il paraît que ça s'est passé d'une manière un peu bizarre à la dernière veillée du côté de Figaïo. Est-ce que tu as écho de vraiment la raison pour laquelle ça a dégénéré? Est-ce que tu as des échos de ça? Est-ce que tu as une idée? Ben, plus ou moins, parce que franchement, il faut dire que Daisy, c'est un champion. Moi, personnellement, quand je vois, c'est vraiment un champion, parce que un champion, quand il décède, il ne part pas facilement aussi. Il faut toujours qu'il y ait du bruit, il faut qu'il y ait de l'engouement, il faut qu'il y ait... Voilà, donc pour moi c'est un champion. Et je ne peux pas... Au jour d'aujourd'hui, je ne veux pas aller en profondeur parce que pour le moment, les cœurs sont encore... Voilà, chacun dit ici, chacun dit pour lui et tout. Ce n'est pas le moment. En ce moment, c'est d'apaiser les choses. Voilà. Donc une pensée à l'endroit de sa famille, surtout ses enfants, donc qui reposent en paix. Et puis bon, il a été enterré. Et je pense que son tombeau et l'église feront un lieu de pèlerinage. Moi, ça, c'est mon nom, ma vie à moi. Voilà. Donc, hier, j'ai même fait le déplacement pour aller spécialement devant l'église. Donc, voilà, que je ne connaissais pas. Moi, j'ai pris mes photos tranquillement que j'ai. Voilà. Donc, Désir, c'est un champion. Super. Que son âme repose en paix et que Dieu le Père l'accueille à sa droite. Alors, M. Eric Saki, on va fermer la parenthèse un peu triste. Voilà, on va maintenant parler de toi. Beaucoup de gens entendent parler de toi, il y a beaucoup qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux te présenter? Est-ce que tu peux aussi expliquer un peu ton parcours? Moi, c'est Eric Saki. Ben, comme on appelait son excellence Eric Saki depuis la diaspora. Ben, mon parcours, bon, je peux dire que
Avant, je n'étais pas dans le showbiz. Voilà, je n'étais pas dans le showbiz. C'est plutôt du côté de la sécurité. D'où à 20 ans, 21 ans, j'ai ma propre société de sécurité en 2002. Ah, voilà. À Paris. Mm-hmm. Voilà. Et la plupart des artistes qui venaient, je les employais et tout. Et j'avais mon beau, Henri-Jacques de Chichoc. Mm-hmm. Je me baladais tout le temps avec lui, les Julien Gualo, les Abutoro, tout le temps était ensemble. Donc c'est comme ça que j'ai essayé d'apprendre les faits et gestes, ce qu'ils subissent, qu'est-ce qui les manquait, voilà et tout. Donc j'essaie de capter tous ces petits détails-là. Et au fil du temps, après, j'ai fait ma première soirée en 2003, mais c'est le côté tradit moderne. D'où j'ai mis le père de Yabongo en spectacle, Noël de Biali et Sebeno, ça c'était en 2003. Et par la suite encore, j'essaie de continuer. Un big goût en fait. Bon, pas pour le... Après, je suis allé en Angleterre en 2006. Je suis revenu en 2009-2010 sur Paris encore. 2010, j'ai ouvert mon premier restaurant. Et c'est ainsi que quand les artistes venaient, j'essayais de les recevoir. J'essayais de leur apporter plus ou moins ce dont ils ont besoin. Parce que je sais que quand ils viennent, c'est à nous de les accueillir. C'est ça. Voilà. Ils ne peuvent pas venir s'occuper de nous. Quand on vient quoi ici, ils vont s'occuper de nous. Donc moi, je me suis dit quoi? Quand ils viennent, si je ne peux pas les amener chez moi à la maison, au moins le restaurant, ils peuvent manger ce qu'ils veulent, ils peuvent boire ce qu'ils veulent. S'ils ont besoin de quoi que ce soit, je suis toujours prêt, même dans les spectacles. Quand ils ont des spectacles, je suis toujours le premier, en tout cas. Je suppose, à mon avis, que je suis toujours le premier à faire la publicité, à les soutenir financièrement. Voilà. Ils ne viennent pas me demander, je le fais spontanément moi-même, et tout. Donc c'est comme ça que je suis rentré plus ou moins dans le showbiz. Et les années passent, je me suis dit, mais tiens, nous tous, on se balade ensemble, on se connaît. Et nos femmes, elles sont à la maison et tout. Pourquoi ne pas créer une association des femmes, des managers, comme ça, quand nous on sort, bon, elles peuvent rester ensemble aussi, pour ne pas pas tout le temps se plaindre. C'est comme ça que j'ai mis sur pied l'association des femmes des managers de la diaspora. Voilà, donc toutes les femmes des artistes et tout, elles avaient déjà le club où j'ai même organisé des matchs de foot pour les femmes et tout. Ben, voilà, même, elles ont même fait sortir un single. Voilà, et après je réfléchis, après je dis bon, ok, nous aussi on peut aussi faire. Donc j'ai mon idée, on a appelé tout le monde et j'ai un ami proche que je vais te le nom qui a passé le communiqué. Qui a appelé tout le monde. Je pense que ce jour, tout le monde était les doyens. En tout cas, franchement, il y a des gens que j'attendais les noms, que je ne connaissais pas de visage, qui étaient là. Et on nous demande, c'est quoi le but de la réunion et tout. Donc moi, je laisse comme d'habitude, je laisse ceux qui sont agités plus ou moins s'exprimer et tout. Mais je voyais que les choses n'avançaient pas, les gens ne comprenaient pas le but de la chose, parce que comme ce n'est pas leur idée. Donc, c'est celui dont. Voilà. Celui à qui l'idée appartient, celui qui peut mieux expliquer la chose. Mais je n'ai rien dit. La réunion s'est terminée, on a convoqué une autre réunion. Ça, c'était à la veillée de Kafoko, un jeune Ivoirien qui est décédé en Europe. Et du coup, on me repose encore la même question. Ça, il y avait les Daouda Fraya, il y avait Magès. Il y avait le manager Gagiceli, il y avait. En tout cas, les doyens, ils étaient là quand même. Donc, ceux qui posent la question, le but réel de l'association. Sinon, c'est bien beau de se réunir, mais il faut qu'on nous explique. Encore, je laisse. Mais vers la fin, trop que Sévérin, mon grand frère qui prend la parole pour dire, mais c'est lui-là qui a envoyé l'idée. Pourquoi vous ne vous adressez pas directement à lui? Donc, c'est ainsi que j'explique. Et apparemment, Dieu merci, ils ont compris. Ils ont adhéré. Et là, sur place, on nous parle de l'élection. On dit, ben non, on est venu d'abord pour la veillée de parler de temps. On dit, non. Bon, ceux qui sont teigneux, ils disent forcément, il faut qu'il y ait élection là. Et en plus, à m'élever. Ouais. Donc, je suis encore là. Moi, peut-être, pour moi, pour ma part, j'ai cru, ils allaient dire, bon, comme c'est toi l'initiateur, prends le truc. Je vois les mecs qui se lèvent, non? Mon frère, il n'y a pas comme qui dit, il faut laisser. Je sais que tu vas laisser, mais je te dis encore, je t'encourage, il faut laisser. Donc, je suis resté dans mon coin.
les mains se sont levées, c'est là qu'ils ont élu le président, que vous connaissez tous, et tout pour un mandat de, je crois, 3 ans. Donc, voilà. Président Eric Sagui, voilà. Tu m'as l'air trop propre sur toi. Genre, tu n'as pas les. Je sais pas, comme quelqu'un qui n'a pas les défauts, qui est gentil, qui est combat. Moi, c'est ce qu'on me dit, hein. Qu'on a rendu, tu sais, Eric Sagui, quand il y a un problème, il est là. Quand il y a un show, il est là. Il soutient tout le monde. Il est toujours prêt pour les autres. Personne ne parle mal de toi. Et moi, je veux savoir, avec le vieux père Joss Mindos, c'est quoi le problème avec le vieux père Joss Mindos? Parce qu'on sait qu'il y a. Voilà, il y a des soucis, il y a même un clan. C'est-à-dire qu'il y a ton clan, il y a les gens qui sont pour toi, qui sont prêts pour toi. Parce qu'eux, ils disent que tu as toujours été là pour eux, tu es gentil, tu es un monsieur bien. Et puis, il y a des gens qui sont avec Joss, qui ne sont pas prêts pour toi. Donc, pourquoi, comment est-ce que c'est arrivé cette histoire de clan là? Comment est-ce que c'est arrivé? Parce que nous, si on est des jeunes Ivoiriens, nous, on est appelés aussi à aller en Europe un jour et tout ça. Si on sait, nous, on se rend compte que les grands frères qui sont là-bas déjà sont déjà divisés. Bon, nous on peut pas. Il faut que nous on sache. Tu veux que tu dises quoi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, moi je veux savoir. Moi, comme je te le dis, hein? En toute sincérité, j'ai un problème avec personne. Ils peuvent avoir des problèmes avec moi. Mais moi, j'ai un problème avec personne. Voilà. Donc, le nom que tu veux de citer, pour moi, c'est un grand frère. Il n'est jamais insulté. Tellement tu n'es pas prêt pour lui là. Dis même son nom maintenant. Non, c'est parce que j'ai dit que je ne suis pas là pour faire la publicité des gens. Mm-hmm. Voilà. Ça, je l'ai déjà dit et j'assume. Mm-hmm. Voilà, je ne suis pas là pour faire la publicité des gens parce que une publicité, ça se mérite. Voilà, ça s'achète. Mm-hmm. Et puis ben, voilà. Je ne suis pas là pour ça. Mais toutes ces personnes qui ne sont pas pour moi, moi, pour moi, c'est normal. C'est normal. Tu ne peux pas être aimé par tout le monde. Tu ne peux jamais, jamais être aimé par tout le monde. Même peut-être que dans mon AISB, il y a d'autres qui ne m'aiment pas. Mais ils viennent pour les idées. Ouais. C'est vrai. Parce qu'ils aiment la personne d'Eric Sagui, mais ils viennent pour les idées. Il y a d'autres qui viennent pour Eric Sagui, mais ils ne savent pas ce que c'est les idées de Sagui. Et puis c'est comme ça. C'est la vie. La vie, c'est comme ça. Aujourd'hui, peut-être que moi, j'ai des enfants de différents mères. Mais c'est ceux qui sont partis. Pourquoi ils sont partis? C'est comme ça. C'est la vie. C'est la vie. C'est comme ça. Donc, tu peux pas être là. Si tu veux être aimé par tout le monde, je pense que tu as fait fausse route. Mm-hmm. Ça n'existe pas. La seule personne qui t'aime véritablement, c'est ton père, ta mère. C'est les deux qui t'aiment véritablement. Après ça, là, c'est fini. Donc, je ne cherche pas. Voilà. Je ne cherche pas à ce qu'on m'aime ou pas. C'est pas ça. Mais quand même, si on suit ma logique des choses, mon esprit pour dire, ah, le monsieur est là pour 2 ans, suivons-le quand même. Laissons-le travailler. Laissons-le travailler. Et puis, ce qu'il va laisser, celui qui va venir, il va continuer. C'est tout. Parce que dans cette sorte de société, il n'y a pas de budget. On n'a pas d'argent, on ne paye pas. Au contraire, c'est mon énergie, c'est mon argent que je mets dedans pour faire toutes ces histoires. Mm-hmm. Voilà. Donc, tu veux le bien d'autrui. Voilà. C'est pas que l'État donne de l'argent et tout. Ça n'a rien à voir. Mm-hmm. Voilà. J'ai pas une maison de fonction, j'ai pas. Voilà. Donc, quand même ou pas, c'est pas ça. C'est parce que je suis têtu, c'est ce que je veux, peut-être ce que j'aime, c'est pour ça que je me mets dedans. Voilà. J'ai ma maison à payer, j'ai mon restaurant à payer chaque fin du mois, j'ai ma voiture à s'occuper, il y a ma mère qui doit m'occuper d'elle, il y a mes petites soeurs, il y a mon père. Et en plus, il y a l'association encore qui est là. Voilà. Donc, la seule chose, c'est d'aider quand un jeune veut, a une vision. C'est de le suivre pour voir c'est quoi exactement, où est-ce qu'il veut nous mener. Et puis si on a quelque chose à lui dire, on lui dit. Voilà. Sinon, chercher à se faire aimer, je pense que l'amour, l'amitié ne s'achète pas. Parce que si tu achètes l'amitié en coup d'euro, ça va t'acheter toi-même. Voilà. C'est ça. Comme je ne le regardais pas, comme je ne le connaissais pas. Mm-hmm. C'est pas tous les enfants que ta mère, une mère a mis au monde, c'est pas eux souvent qui sont tes frères. Bien sûr. Voilà. Je les connais en Europe, il n'y a pas longtemps. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui passe. Voilà. Lui, il écrit souvent sur moi, il dit, hey, histographe, arrête l'histoire là. Et puis, voilà. On se boude, et puis, voilà. Le lendemain, c'est moi qui l'appelle, soit c'est lui qui m'appelle. Mm-hmm. Et puis, ceux qui nous ont vu en train de se disputer, ils nous voient encore ensemble. Ils sont étonnés, mais ceux-là, ils sont encore ensemble. Peut-être qu'ils ne veulent pas nous voir ensemble, mais nous sommes ensemble.
Mais quand on nous montre nos papiers, c'est différent, non? Mm-hmm. Moi, c'est Saki, S-A-K-I, mm-hmm. lui, c'est Nyadré. Mm-hmm. Voilà. Mais quand même, les deux sont ensemble. Et la vie, je pense que c'est ça. C'est pas parce que je suis bété que toi, tu vas chercher un ami bété, forcément. Non, impossible. Moi, mes meilleurs amis, c'est les Djoula. Mm-hmm. Ça fait que dans mon restaurant, il n'y a pas bété qui vient là-bas. Voilà, ça, je le dis. Voilà, ben, ça, c'est un esprit. Ôtez ça de votre tête, dans votre esprit, c'est pas bien. Voilà. L'Ivoirien, c'est l'Ivoirien. Le Malien est l'ami de... Le Malien est l'ami de l'Ivoirien. Le Burkinabé est l'ami de l'Ivoirien. Et vice-versa. La terre ne nous appartient pas. Bien sûr. Voilà. Là, aujourd'hui, nous sommes en Europe. Mm-hmm. On mange et on vit là. Nous sommes à l'Est. Quand on vient en Côte d'Ivoire, on fait le Malien. Mais pourquoi on fait le Malien? On est sur la tête d'autres personnes qui nous accueillent. Mm-hmm. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas accueillir d'autres personnes chez nous? Ce n'est pas la politique que je fais. Mais nous devons nous aimer. C'est ça l'essentiel. Mais ne cherchons pas à nous faire plaire aux yeux d'autres personnes. Mm-hmm. Pose les actes qui peuvent t'amener des gens. Mm-hmm. Donc ça veut dire quoi? Que celui que tu ne veux pas citer là, il pose des actes qui font que les gens puissent venir vers lui. Ça, je ne connais pas sa vie. Mm-hmm. Je ne connais pas sa vie. Je viens partir chez lui à la maison. Voilà. Je viens partir chez lui à la maison. C'est un grand frère, comme je le dis, que je respecte. Voilà. Tout ce que je sais, c'est qu'il doit faire de telle sorte que le showbiz ne se divise pas. Mmh. Point bas. Et qui doit laisser la place aussi aux plus jeunes. Pas forcément lui. Mmh. Que les anciens, les anciens, nos dévanciers, qui comprennent que la nouvelle vague qui arrive est intelligente et prête et ont la force d'assumer ce que pour prendre le flambeau, ouais. C'est que leurs grands frères, nos grands frères n'ont pas pu faire. Mmh. Nous, on est prêts aussi à assumer ça aussi. Mmh. Et qu'ils nous fassent confiance. Voilà. Le nom que tu as cité, ce n'est pas de lui forcément que je veux parler. Mm-hmm. Je veux parler en général tous les doyens. Tous les doyens. Voilà. D'accord. Ils sont un peu fatigués, qu'ils nous laissent un peu la place. Arrêtez la dictature. Voilà. J'ai fait un fort avec Jacques Naboué. Je lui ai dit, mais tu es trop vieux maintenant pour être président des managers de Côte d'Ivoire. Il faut quitter. Il me dit qu'il a quitté, que c'est jamais guest qu'il a. Il dit, mais sans vous les vieux. Sans vous les vieux, arrêtez. Nous les jeunes, on est là. Vous êtes les vieux, vous êtes là. Et en plus, c'est vous qui mettez les bâtons dans les roues des jeunes. Arrêtez ça. Hein. Le Fafa vous dit d'arrêter ça. Alors, président Eric Saki, merci encore de nous recevoir. Et si encore, mais dis-moi, comment dirais-je, tu as déjà expliqué ta vision des choses et tout ça. On voit souvent des artistes ivoiriens qui viennent organiser des shows à Paris. Mmh. Et souvent, étape photo, comme on dit. Mmh. Il y a les artistes ivoiriens. Et c'est pas si c'est parce que ils n'organisent pas les choses comme ils se doivent, ou c'est parce qu'ils font la grosse tête, ils ne cherchent pas à venir voir ceux qui sont sur le terrain comme vous, mmh. qui êtes déjà sur le terrain, qui savent comment prendre les gens pour que les gens se déplacent et tout. Mais quel conseil toi tu peux donner aux artistes qui souhaitent organiser des événements sur Paris? Tout à l'heure dans mon dossier, j'ai dit que tout artiste qui devait quitter l'Afrique en venant, nous à ISB on dote, si vraiment, voilà, il considère l'association, si vraiment il se considère en tant qu'artiste, si vraiment il considère la diaspora, il doit passer par l'ISB. Nous, il peut avoir son manager, mais nous sommes aussi son manager, uh-huh. pour pouvoir planifier tout ce système-là. Pour ne pas que ce fameux mot poteau se répète. Uh-huh. Et ça me fait aussi mal quand j'entends une telle artiste a tapé poteau, ça me fait mal. Mais pourquoi taper poteau? Parce que l'artiste aussi, quelque part, quand il commence à monter de grade dans son showbiz, le milieu où il est quitté, il néglige. Et comme tout à l'heure, je l'ai dit tantôt, c'est dans ce même showbiz, milieu de maquis là qu'on colle vos affiches. Uh-huh. Et c'est pas là qu'on t'a connu. Maintenant, pourquoi quand tu deviens grand, tu ne veux plus passer par là pour aller jouer dans les grandes salles? Reviens encore, tu parles avec... Voilà pourquoi tout à l'heure, pourquoi je cite le magnifique. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un, il vient... C'est pas si je peux appeler, il n'a pas honte, mais c'est-à-dire il a son spectacle, mais il est dans ma qui, il est là. Il joue la même comédie qu'il peut-être qu'il va jouer, mais il est là. Donc, toi-même déjà, tu es content, tu viens, voilà. Ouais. C'est vrai. Il a fait un concert magnifique, même journée, deux concerts, même jour. De 16h à 18h et de 19h à 20h. Les deux, même jour, dans la même salle. C'est rempli. Dans la même salle, le même jour. Mais les deux, tout était rempli. Pourquoi? Parce qu'il a su communiquer seul lui-même. C'est vrai qu'on fait la publicité, mais lui-même se déplace. Il va dans les secteurs, dans les différents marchés. Il prend ses 10 repères, une formule. Il va là, il paye. En une journée, de 17h à 19h. 20h, 21h, tout est rempli.
Mais vous venez, on ne vous voit pas. Quand vous vous voyez, vous êtes un peu gonflé. Alors, Président Eric Sakhi, dis-moi, c'est qui Marco SFR? C'est qui Marco SFR? D'accord, merci bien pour cette question. Mais je pense qu'on va passer à autre chose. Ah bon? Oui, passons à autre chose parce que c'est un frère, c'est un Ivoirien de la diaspora. Donc, c'est tout ce que je sais, sur lui. Je ne le connais pas personnellement. Je ne l'avais jamais vu avant. Je sais que je suis allé le soutenir encore. Je suis allé le soutenir une fois quand ils organisaient des têtes en collaboration avec un gars pour organiser une soirée de Kejivara à 2h du matin. Bien avant ça, DJ Kejivara. Voilà. D'accord. Je suis allé le soutenir. Voilà. C'est là que je l'ai vu pour la première fois. Donc, je ne connais pas sa vie, je ne connais pas l'homme lui-même. Voilà, parce que quand on dit, pendant les élections, d'autres disent qu'on ne le connaît pas. C'est pas parce qu'on ne connaît pas une personne qui ne peut pas être candidat. Non, mais c'est-à-dire qu'on ne l'a jamais vu. C'est ce que, en fait, les gens voulaient dire. Ce n'est pas que, non, on ne le connaît pas, on ne le connaît pas. C'est ça, mais aussi d'autres polémiques. Non, c'est parce qu'on ne l'avait jamais vu, que ce soit dans les funérailles, que ce soit dans les baptêmes, que ce soit dans n'importe quoi, on ne l'avait jamais vu. Donc, c'est pour ça qu'on disait que, voilà. Alors que lui, là, c'est ça qui on le voit. C'est pas de ma faute. Voilà. C'était ça le petit truc, mais ils ont pris ça pour faire autre chose. Voilà. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, le président, son excellence, il veut fuir la question. Parce que moi, j'ai demandé, j'ai fait exprès de poser la question. Parce que nous, on a appris qu'il y avait des élections. Il y a des élections qui ont été organisées à Paris pour élire le président des managers, si on peut faire de façon globale. Des managers et organisateurs de spectacles de la diaspora. Des producteurs. Voilà, et producteurs et tout de la diaspora. Et nous, on a appris que il y a eu, je ne sais pas si je vais dire un clash, mais il y a eu des problèmes parce que ça a même créé des clans. C'est-à-dire que les gens ont voulu, parce que tout le monde voulait Eric Sakhi. En tout cas, selon les informations que j'ai reçues, tout le monde voulait Eric Sakhi. Et il y a eu une marmaille qui s'est faite. Les gens ont voulu, comment on peut dire ça, tronquer les élections comme on le fait en Afrique. Pour installer un certain Marco SFR que je connais pas, le jour à Abidjan, faut qu'il me contacte parce qu'il aura un droit de réponse. Voilà, ils ont voulu tronquer les élections pour installer Marco SFR à la place d'Eric Sakhi, et ça a créé des palabres au sein de la communauté ivoirienne et tout ça. Du coup, les partisans d'Eric Sakhi ont refusé d'aller voter et ils ont créé d'autres élections quelque part, et c'est là qu'ils ont élu leur Eric Sakhi. Raison pour laquelle je vous posais la question, pour savoir qui est Marco SFR. Bon, comme toi-même tu as dit, tu ne le connais pas vraiment. C'est... Non, oui. Je ne le connais pas. Voilà, forcément, peut-être que tu ne le connaissais pas vraiment, tu vois. Mais moi, j'ai posé la question parce que je voulais en venir aux élections. D'accord. Les élections, là, finalement, là, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ok, merci bien, Ramzi. Merci pour cette question. Ben, pour ma part, je pense qu'on va essayer de ne pas trop aller dans ce sens parce que il y a eu pas mal de choses qui sont passées pendant ces élections où ils sont vraiment rentrés dans ma vie privée et tout. D'où j'ai jamais répondu. J'espère que vous avez suivi, j'ai jamais répondu. J'ai jamais vu même, moi qui aimais quand même les dire, faire les publicités des soirées, j'étais quand même limité, je ne peux plus faire publicité des bars, des artistes et tout. Et j'ai jamais vraiment répondu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc vraiment c'était la méchanceté et tout. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, nous devons passer à fédérer. Nous devons passer à être rassemblés, à mettre... à s'unir. Je ne vais pas rentrer dans cette histoire. Non, vous voulez. Mais moi, au jour d'aujourd'hui, je veux que toute la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens qui sont dans la diaspora, essaient de passer cette plaie-là et de revenir à la maison, de se réunir pour qu'on puisse avoir des nouvelles. Voilà. Parce que ce qui est passé, pas une élection étatique. Voilà, c'était une association, c'est pas association. Comment ça se retrouve sur Facebook? Alors qu'il y a 1000 associations en Europe, en Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire, à Paris. Mais il n'y a que celle-là qu'on a vue sur Facebook, partout dans le monde entier. Et c'est moi qui ai été touché. Et c'est le même qui dit, laissons ça. Hein, laissons ça. Moi, je demande à tous mes frères qui n'ont pas encore compris, je dirais ainsi,
de laisser la colère, s'ils sont vraiment en colère, de laisser, qu'ils reviennent à la maison, qu'ils essaient de, pour qu'on puisse discuter, et puis pour aller ensemble pour la culture ivoirienne, parce que il n'y a qu'ensemble qu'on peut avancer, ça ne sert à rien. Là, je vais rentrer dans les détails, ils m'ont fait ça, ils m'ont fait ceci, cela. Lui aussi, peut-être, le prêt, il m'a fait ça. Ça sera qu'on ne fait faire que se diviser. Mm-hmm. Moi, tout ce que je dis à mes frères, pendant cette campagne qui était de l'autre côté, que pour moi, il n'en est rien. Franchement, s'il y avait quelque chose, j'allais répondre. Mm-hmm. Voilà, c'est vrai, même si parfois, il y a eu des ratés de leur côté et tout, mais qu'ils sachent qu'il n'en est rien pour moi. Qui reviennent, je suis toujours prêt à les recevoir, je suis prêt à dialoguer avec eux. S'ils veulent des postes pour qu'on puisse travailler ensemble, j'ai toujours besoin de passer les idées qu'ils ont, peut m'apporter aussi. Ouais, ça peut servir. Ouais. Ça peut servir, surtout pas à moi, mais à la culture ivoirienne en général. Donc j'ai besoin d'eux, nous avons besoin d'eux, ils ont besoin de moi, j'ai besoin d'eux. Donc, si par ailleurs il y avait une personne ou des personnes qui essayaient de leur monter la tête, qu'ils essayaient de s'asseoir et réfléchir. Parce que souvent, quand tu conduis une voiture, tu regardes un peu dans le rétroviseur pour voir ce qui est derrière. Qu'ils essayent de regarder un peu dans le rétroviseur. Qui est Rixaki pour eux? Parce que c'est que c'est du faux, c'est du pipo et tout ce qu'ils font. Mais chacun veut se faire voir. Et ça, j'ai déjà compris. Raison pour laquelle je vais rentrer dedans. Le président, il ne veut pas parler, il veut fuir, mais il ne peut pas fuir, c'est ça le papa. Hein? Mais, bon, président, moi avant de parler des gens qui sont derrière là, moi je veux parler de ça après, mais je veux dire, tu ne trouves pas que de la façon dont toi, les autres élections ont été boycottées par les gens qui estimaient que franchement il y avait du faux qui était en train de se passer. Ils ont organisé d'autres élections et tu as été élu à l'unanimité, on va dire. Tu ne trouves pas que ces autres personnes que tu dis vouloir fédérer autour de toi, que tu es, voilà, tu es ouvert, s'il n'y a pas de souci, ils peuvent venir là. Tu ne trouves pas que ces personnes-là auront une dent contre toi parce que ces personnes ne veulent pas te voir en tant que... Est-ce que ces personnes reconnaissent même l'association là? Est-ce qu'ils reconnaissent? Parce que l'association a été créée, comment on peut dire ça, en marge de celle qui était là avant pour pouvoir toi t'élire. Oui. Est-ce que ces personnes-là, tu sais que ces personnes ne t'aiment pas en réalité? C'est ça qui est la vérité. Est-ce que ces personnes-là, toi, te reconnaissent au point de venir vers toi pour essayer de, voilà, de régler les choses? Il faut toujours reconnaître d'où tu viens. Et tant que tu n'as pas mis ça dans ton... dans ta vie, je pense que rien ne peut aller. Parce que les Blancs, ils font la publicité pour toi, mais tu ne vis même pas là-bas. Il ne peut pas te connaître. Ceux qui doivent participer dans tes concerts, c'est nous. Même si on n'aime pas ta, on n'aime pas ta musique, mais par solidarité, parce que tu nous as approchés, chacun peut venir. Tu viens dans le maquis, il y a les... Ah, comme il est passé, donne-moi son ticket, donne-moi son ticket, donne-moi son ticket. C'est comme ça. Mais il y a vos milliers que vous avez donné aux Blancs pour faire vos publicités, ce n'est pas dans les métros et tout. Mais déjà, c'est nous. Déjà, là-bas, c'est nous. Si tu nous respectes, les autres aussi vont te respecter. Chez toi, la maison n'est pas rangée, c'est dehors que tu vas ranger. J'ai dit non. Désormais, les artistes ivoiriens, vous qui venez de la Côte d'Ivoire, désormais, il y a une association qui existe, qu'on appelle AISB, Ivoire Showbiz Diaspora. Nous sommes là pour réguler le showbiz dans la diaspora. Nous sommes là pour vous soutenir. Nous sommes là pour vous guider. Nous sommes là pour vous amener... des spectateurs, pour vous amener des fans, pour faire remplir vos salles. N'hésitez surtout pas, vous pouvez avoir déjà vos contrats avec les grandes maisons de distribution, mais pensez un peu à... Non, on ne veut pas votre argent. Que la considération, passez, dites bonjour, c'est le plus important. À partir de là, vous verrez comment on va faire vos publicités. Parce que moi, personne ne me demanderait, mais je fais tout le temps la publicité, déjà, vous me donnerez. Il y a d'autres, mais je fais la publicité, jamais j'ai attendu mon ordre, je ne cherche pas de trucs, mais je chercherai parce que vous êtes des Ivoiriens. Et nous sommes pleins comme ça dans la diaspora. On a besoin que du respect. Voilà. Et on ne veut plus attendre de parler de poteau, raison pour laquelle l'AISB existe pour faire la promo de vos œuvres. Voilà. Aujourd'hui, voilà Joe Papi. Il fait des concerts dans les grandes salles. Voilà comme Donatia. Il fait les spectacles dans les grandes salles avec Yabongo qui a fait de. Qui l'a rempli. Et comme tout de même, il y a qui encore Molière qui est venu. Et la salle, vraiment, elle devait être broyée. Joe Papi, il a fait les leaders. Mais c'était...
Vraiment, c'était un truc de fou. Pourquoi? Parce qu'il est passé par nous. Ces personnes sont passées par nous. On demande quoi? C'est rien, c'est même pas beaucoup. Ça vaut même pas 5000 euros. Alors que vous mettez les affiches, vous partez payer des gens à 15, 20, 30 000 euros pour faire vos publicités. Et vers la fin, il n'y a rien. AISB, vous ne dépensez même pas 5 000 euros. Peut-être même, j'ai dit même un gros montant. Mais on fait bien vos publicités. Et puis, c'est entre nous les frères. On va chercher vos frères pour venir vous regarder. D'accord? Donc, ne cherchez pas, ne vous embrouillez pas. AISB est là pour vous accueillir. AISB est là pour vous diriger. AISB est là pour vous défendre. Parce qu'il y a un service juridique, j'ai oublié, qu'il y a un service juridique dans mon programme. C'est-à-dire, quand on a un problème au sein de la diaspora, la personne qui est adhérente dans l'association a un problème, le service juridique est là. Au lieu d'aller courir de les avocats, on a déjà un bureau qui est déjà là. Donc, un service juridique, une mutuelle, c'est-à-dire l'assurance, l'assurance sera déjà assurée, mais il y aura une mutuelle. Et puis, bon, voilà, on ne sait plus la formation des managers et tout. Donc, ça ne sert à rien. Approchez-vous de nous. C'est nous, on peut faire votre affaire. Quand on dit conseil des Maliens, C'est rempli, hein? C'est qui est là-bas? C'est on a vu tout dans le conseil de Youssoudou qui est venu. Même Econ, il est quitté aux États-Unis pour venir. Soutenir son frère sénégalais. Bien sûr. Et comme je fais, chaque année, c'est moi qui fais la fête de l'indépendance. Chaque année, c'est moi qui fais. Mais jamais l'ambassadeur m'a vu devant sa porte pour dire je veux subvention. Non, je prends mon impôt. Chaque 7 août, c'est moi qui fais. Tapez sur YouTube. Ça fait combien d'années déjà que tu organises ça? Ben, ça fait 3 ans, 4 ans. Bon, mais sauf que l'année passée, j'ai pas pu faire la fête d'indépendance vu que j'étais en Côte d'Ivoire pour la promo de mes filles Sakis. Donc, j'ai pas pu le faire. Et en même temps aussi, personne n'ose faire ça aussi derrière moi. Ça me dit quoi? Je prends moi-même mes propres moyens pour le faire. L'ambassade ne me reconnaît pas dans ces dossiers à l'ambassade. On ne me reconnaît même pas pour dire que je suis venu prendre un sou. Voilà. Ça, oh, il y a deux qui l'ont fait. La première année, même quand je l'ai fait, à deux, ils sont allés prendre les sous. Donc, l'ambassade était venue à Munich pour. Comme ça, à Munich, ils allaient partir où ils ont financé. Ils sont venus, on a fait chanter l'hymne national, ils sont partis. Une heure de temps après, on les a fait. On dit, vous êtes quittés là. C'est gâté. Là-bas, tous sont quittés là pour revenir. C'est-à-dire, vous donnez de l'argent à des gens qui ne peuvent pas vous apporter quelque chose. Un gars qui travaille, en fait, pour ça, vous voulez déjà les vincer. Il travaille bien. Mais dis-moi, président, pour un artiste qui vit en Côte d'Ivoire, qui ne vit pas en Europe, qui n'est même jamais allé en Europe, est-ce qu'il peut s'inscrire à l'association? Il peut s'inscrire. Comment? C'est-à-dire, il s'inscrit. Non, déjà, c'est-à-dire le soutien déjà. Le soutien, il peut le faire. C'est-à-dire, quand il soutient, on sait que, voilà. Parce que logique, il va venir. Il n'a jamais les pieds là-bas. Donc, il fait partie. Parce que le but, c'est que c'est de prendre ces artistes pour venir chanter un jour. C'est ça. Voilà, c'est de venir chanter un jour. Comme je dis, au Bercy, à Bercy, au Zénith et tout. Donc, tôt ou tard, il viendra. Alors, quand il va venir, le cachet pour lequel il viendra, il va lever au moins un euro d'appel à la caisse. Donc, ça veut dire qu'il est adhérent déjà. Voilà. Donc, moi, par exemple. Donc, ça veut dire qu'étant là-bas, s'il y a un problème, c'est toujours nous, s'occuper de lui. Oui, c'est vrai. Donc, ça veut dire que, par exemple, moi, je donne un exemple. Moi, par exemple, si je veux adhérer à l'association, mais. Dans les cachets que j'ai déjà ici, je peux peut-être penser à envoyer un petit peu. Non, ça c'est. Pour ici, ça c'est vous qui voyez, mais au niveau de là-bas, d'accord. C'est-à-dire une fois que tu as un contrat là-bas, c'est au niveau de là que je parle. Ah, d'accord. Maintenant, moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'au niveau de la Côte d'Ivoire aussi, le même esprit, je veux qu'il y ait le même esprit. C'est pourquoi on travaille en symbiose et tout. Symbiose, voilà. Il faut qu'on travaille. Tous les managers, les acteurs du showbiz, il faut qu'ils se mettent ensemble, mettent quelqu'un de fort, et puis il y a aussi un homme de fort dans la diaspora. Et ils échangent les données. Arrivez moi, ils verront même que peut-être qu'on va nous trouver une salle ici. Bien sûr. Qui peut travailler chaque jour et puis qui peut donner où chacun peut payer ses médicaments et tout. Oui, que de tout temps lancer le SOS, quand tel artiste est malade, on va avoir Buruda. Mais le Buruda aussi, je vous dis que le Buruda n'est pas là pour ça aussi. Pour soigner les gens, le Buruda n'est pas là pour ça. Parce qu'il faut vendre tes œufs pour avoir de l'argent. Mais tu as chanté, mais tu ne vends rien. Comment le Buruda peut te. Quand on dit le Buruda. Non, mais le Buruda, c'est parce que voilà, le Buruda encaisse même voilà. Le droit d'auteur. C'est-à-dire, on te joue dans un maquis. Voilà. Il va prendre l'argent. Ça, par contre. Par c'est l'un des artistes. Mais il ne donne pas l'un des artistes. Voilà. Bon, je dois croiser même ceux qui sont à tête du Buruda. Là. Ils doivent m'expliquer ça. Tout ça, c'est le Fafa. Les artistes se plaignent. Imagine déjà qu'à Boutourou, tu ne gagnes pas leur argent.
Déjà, voilà, par contre, ça c'est un truc, mais quand quelqu'un est malade, ce serait, je pas, parce que. Imagine toi, si on donne l'argent, il va se soigner. Mais justement, imagine-toi que le videur te donne cet argent et puis tu tombes malade. Bon, l'argent, mais c'est combien déjà? Déjà, c'est combien, c'est ça? Donc, si nous sommes, vous êtes unis ici, l'histoire qu'on appelle, excusez-moi aussi, dit l'histoire, parler de la culture. Mais nous, on peut avoir une salle ici où les adultes peuvent jouer, au lieu d'aller jouer dans les maquis, ils peuvent tout le temps jouer. Mais chaque jour, on programme aussi l'adulte dans ce coin-là. Cet argent qui rentre est déposé dans une caisse qu'on peut dispatcher chaque 3 mois, par exemple, ou chaque 6 mois. Pour des frais de médicaux, bien les écoles pour les enfants. D'accord, dès qu'il y a un souci. Voilà. C'est-à-dire une salle de peut-être 2000 places, 1500 places, par exemple, qui est là. Mais c'est que c'est pour les managers, producteurs, ça c'est pour vous. C'est-à-dire chaque jour, il peut avoir un artiste. Chaque jour, il peut avoir un artiste. Mais cet argent, on ne donne pas ça à l'artiste. On donne pas ça, on met ça dans une caisse, par exemple. On se dit pendant un an, cet argent là, après, on a un autre projet. Maintenant, après. Après, ça, les gens n'ont pas ton esprit. Il y a plein de trucs qui peuvent se passer. Parce que toi, on dit, tu es honnête là. Il y a des gens qui ne sont pas comme ça. On va mettre l'argent dans la caisse pour dire le jeu c'est gâté, on va aider telle personne. Il y a des gens qui vont rentrer en brousse avec l'argent, on connaît. Donc, on se connaît dans ce pays. Si, franchement, ça peut se faire. C'est-à-dire, quand c'est pour vous-même, ça peut se faire. Ça peut se faire. Franchement, c'est vouloir ce pouvoir. Les Ivoiriens, tous les acteurs du showbiz ivoirien vivant en Côte d'Ivoire, faites en sorte pour être un. Faites une grande, en tout cas, organisez-vous à organiser une grande réunion au cours de laquelle vous allez décider un véritable président, un véritable comité, un véritable bureau pour. Il y a plein de systèmes que vous pouvez bloquer. Parce que il y a de l'argent dans ce pays-là. Il y a de l'argent, mais l'argent pas dans la main d'une seule personne. Ce qui n'est pas normal. Vous voyez, peut-être que vous ne voulez pas parler et tout, mais. Bon, moi, c'est le moment, je peux parler. Vous parlez, président. Non, c'est vrai. Mais, unissez-vous et puis amenez-nous un courrier, on va échanger. Comme ça, on va échanger. Les choses vont avancer. Super. Parce que l'État, ils sont prêts à nous aider, mais c'est parce que nous-mêmes, on s'approche pas d'eux. On veut peut-être aller à une force, à une violence. Non, il faut avoir des courriers. Une fois, deux fois, trois fois, c'est là qu'il y a avertissement. Et puis tout, et puis on essaie de faire ce qu'on peut faire. D'accord. Au moins, devant Dieu, devant la terre, tu as prévenu. C'est vrai. Voilà. Soit l'État est prêt à nous aider. D'accord. Ils ont assez de sous. Vous allez donner un peu. Hein? La diaspora en a besoin. On a besoin d'argent pour la maison de la culture. Ce n'est pas beaucoup. 100 000 euros, par exemple, pour la maison de la culture. C'est location. Si vous le prêtez, nous, on va vous donner. On va faire ça, puis on va vous rembourser. Mais vous allez nous donner, s'il vous plaît. Vous allez faire ça pour nous. Maison de la culture. La Côte d'Ivoire au Zénith. Chaque année. Grand show. La fête de l'indépendance. Indépendance chaque 7 août. Ça, vous devez faire ça pour nous. Le reste, nous allons gérer. Le président a parlé. Mesdames et messieurs, on est à parfois. L'émission tire à sa fin. Je suis toujours avec le président de Ivoire, de l'association Ivoire Showbiz Diaspora. Allez, ce monsieur, c'est lui qui est le président des managers, des producteurs, des promoteurs, d'artistes. Des acteurs du showbiz, voilà, de la diaspora, qui sont aux États-Unis, partout, Maroc, sauf la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est lui qui est le président, c'est ce monsieur qui est là. Il est à Abidjan, il fallait qu'on le connaisse. Il fallait que les gens sachent qui est à la tête. Parce qu'on a tous un parent quand même artiste. Voilà, donc on est tous concernés par cela. Je suis avec lui aujourd'hui. Il va dire son mot de fin et on va conclure l'émission. Donc, président, la caméra est à toi. Dis ton mot de fin, lance ton appel et on va conclure l'émission. Ok, merci bien, Ramzi. Merci pour l'opportunité toi, de pouvoir m'exprimer pour une première fois. On me dit que je suis timide, mais quand il y a le vrai sujet, la timidité peut disparaître. Voilà, c'est pas parce que j'ai rien à dire, mais il faut vraiment qu'il y ait des vrais sujets pour qu'on puisse en parler. Pas dans le vide. Voilà, parce qu'après, plus tu parles dans le vide, ça devient du mensonge. Donc, ça ne sert à rien. Donc, mon mot de fin, c'est de remercier déjà Ivoire TV Musique et l'émission Fafa de Ramzi. Vraiment, merci. Et puis, continuez comme ça. Merci beaucoup. Parce que imaginez-vous qu'un artiste qui vit en diaspora, il veut chanter, mais il chante, mais il n'a pas la possibilité de venir soit en Côte d'Ivoire pour pouvoir faire sa promo par rapport à tout ce que les gens nous demandent là-bas. Ou soit il vient, mais il n'a pas les moyens qu'il faut passer. D'autres chaînes demandent de l'argent, des sous et tout. Et c'est méchant, c'est méchant. Parce qu'il gagne sur l'image des artistes.
en passant les clips des artistes. Mais pour accepter les clips, il faut qu'on paye, il faut que les artistes payent quelque chose. Moi, je trouve c'est un peu dommage aussi. Mais les artistes, ils viennent pas vers. Oui, mais justement, maintenant que je suis là, voilà, on va communiquer ensemble. Mm-hmm. Je serai l'œuvre pour porte-parole, mm-hmm, pour discuter, pour signer un partenariat avec eux. Mm-hmm. Dans les artistes de la diaspora, c'est vrai qu'il y a d'autres chefs qui n'ont pas fait la publicité, mm-hmm, que vous connaissez, vous payez, ils veulent que vous payez cher pour que vos trucs, vos œufs passent. Mais il voit TV Musique est là. C'est la chaîne de. Vous n'allez plus payer. En tout cas, c'est le contrat que je vais signer avec eux. Donc, si vous avez des clips, vous me donnez bien, je vous mets un contact, vous allez envoyer, ils vont faire passer vos clips. Mais si c'est une semaine, maintenant, quand la population va demander, ils peuvent continuer à mettre. Si ça passe pas, ça passe pas. Mais au moins, ils auraient essayé de faire passer vos clips pendant au moins une semaine. Mm-hmm. Donc, c'est ce que je vais signer cette semaine avec eux. Super. Donc voilà, le président n'est pas venu pour rien, non, c'est le ça. Monsieur, il travaille, il n'est pas venu à Abidjan pour faire le malin. D'accord. Il est travaillé. Donc c'est une télé ivoirienne. Tout à l'heure, on aura le transport, voilà. C'est une télé ivoirienne où le clip ivoirien passe. Donc faites confiance à cette télé. Et puis bon, ben, AISB est là pour vous. Adhérez-vous pour le showbiz ivoirien. Surtout, fédérons, soyons unis. Voilà. Je ne cherche pas à être aimé par tout le monde. Tout ce que je veux, c'est de travailler ensemble, main dans la main, pour qu'on puisse avancer. Mm-hmm. Ok. Donc, sur ce, Ramzé, vraiment merci pour tout. Merci à ton merci équipe. Merci à toi, monsieur le président. Merci. Merci, son excellence. Pour tout. Alors, mesdames et messieurs, j'étais avec le grand frère Eric Saki. C'est un grand frère ivoirien qui se bat beaucoup pour la culture, la culture de la diaspora de l'autre côté, chez les Blancs, comme on dit ici. Le monsieur, il se bat. Moi, je pense qu'il faille maintenant qu'on arrête les amusements. Hein. Certes, la musique, c'est l'amusement, mais il faut mettre du sérieux dedans. Et lui, il vient pour mettre du sérieux. Vous avez vu, il est droit sur lui. C'est un gars, il aime ce qui est bien fait. Il aime ce qui est bien mais fait. Je vais en profiter aussi, voilà, pour remercier tous mes collaborateurs. Je ne vais pas citer tous les noms, mais mmh, vous savez, c'est tous les mêmes noms qu'ici. C'est pour ça d'autres. C'est même groupe, voilà, c'est même groupe là. Mais on recommence. Donc, je disais au passage, merci à Nyadre Pacom, Eulalie Mabé, leader de l'INSEE. Tu connais leader de l'INSEE? Oui, voilà, leader de l'INSEE, c'est la même qui fait beaucoup pour cette association. Mm-hmm. Et voilà. Et pas mal de personnes, ton ami Abou Killer, ça c'est la nouvelle génération. Hein. Ouais, ouais. Abou Killer, Chocolino, Champagnard, et voilà, Demba Fashion, le photographe Patapapara. Patapapara, oui, voilà, je le connais bien. Donc, les vieux pères. Comme je dis, j'ai un ami photographe béninois aussi qui vient souvent travailler aussi avec vous. Il s'appelle Stéphane Bossa. Je sais pas, il est lancé comme ça. C'est un photographe béninois aussi qui, de temps en temps, qui est sur les événements là-bas. En tout cas, merci président, merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci beaucoup pour ta sympathie, pour ton ouverture d'esprit. Alors, pour toutes les personnes qui sont en Europe, sachez que le monsieur, il veut travailler, il veut faire évoluer les choses. Je pense que ça ne sert à rien de faire des palabres, de faire des. De toute façon, on est tous les enfants d'une même mère qui est la Côte d'Ivoire. Donc, sachons poser les bons actes pour ne pas regretter demain. Mmh. Parce qu'on a tous besoin. Quand tu es artiste, tu veux vivre de ton art. Donc, s'il y a quelqu'un qui est prêt à organiser pour que chacun puisse profiter, je crois que ce sera l'essentiel. Nous sommes toujours avec le président Eric Saki. Nous, on vous dit au revoir. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même antenne. C'est l'émission Fafa avec votre même serviteur, le Daïri.